cette étude cherche à chiffrer l'impact économique direct et indirect. Et l'impact économique direct et indirect, c'est de 22 millions. C'est-à-dire, le club disparaît demain, vous avez des recettes à moins de 22 millions dans la ville. Donc on considère qu'on a une utilité économique, mais au-delà de ça, une utilité sociale, émotionnelle, etc. etc. quoi. Donc voilà, on fait partie importante du paysage local. Regardez, en 2011, l'année où j'ai repris le club était... Il se battait chaque année pour ne pas descendre. Aujourd'hui, depuis 5 ans, on est régulièrement dans les play-offs. On a gagné la Coupe d'Europe l'année passée. On a été en demi-finale et cette année, bon, la saison commence et il n'y a pas de raison que ça ne se continue pas. Donc, y a un affichage. Il faut que vous sachiez que nos matchs sont télévisés dans 176 pays. Hein, tous les matchs. Ce match que vous allez voir tout à l'heure, il est télévisé dans 176 pays. Donc on parle de Montpellier, on parle de notre territoire, on parle de la cité, donc c'est quelque chose d'important. Vous savez ce que je cherche, la clarté, quoi. Le politique qui ment, je ne le supporte pas. Voilà. Un politique qui promet des choses qu'il ne réalise pas, ben je ne supporte pas tout simplement, il n'aurait pas dû promettre quoi que ce soit ou afficher quoi que ce soit ou dire quelque chose qui ne va pas faire. C'est ce côté mensonge, c'est ce côté gauche, c'est ce côté maladroit que je ne supporte pas. C'est tout. Après, c'est un club qui a la capacité de vivre indépendamment du politique. D'ailleurs, c'est un club privé. C'est une société anonyme comme la vôtre, comme Hop d'ailleurs. Et ben voilà, c'est une société anonyme. Alors, ça se trouve que c'est un client de la collectivité parce qu'on paye des loyers pour un stade qui appartient à la collectivité, c'est tout. Donc après, si vous voulez, on verra ce genre de choses. Donc ça, c'est le jeu politique que le chef d'entreprise que je suis ne se porte pas bien, quoi.